Salut à tous, c'est White de BBTV. Je suis sur The Forest et je me fais agresser par un indigène indigeste. Alors que Jack m'a laissé tout seul pour aller chercher du lapin. J'ai peur. Il est là. You see him? He's a fucking bitch. Dégage. Faut que j'appelle Jack. Allô Jack, tu me reçois? Je te reçois 5 sur 5. Indigène au camp, je répète, indigène au camp, come back. À vous. J'arrive de suite. Over. Roger. C'est bon, j'ai appelé les renforts. On va s'en sortir. Bon. Blague à part. Jack est donc parti. Ouais, putain, quel con! Mais t'es con quoi? Je suis en train de mater à l'horizon pour voir si l'autre blaireau s'est barré. Je vois ta face de rat en... Putain, les gens ils vont voir comment j'ai tremblé ma souris là. Putain, elle vient d'avoir un orgasme. Oh, putain, quel con, j'ai stressé, vieux. Oh putain, j'ai chaud. Ouais, ça va, je suis pas une lopette, je voudrais bien vous y voir, vous. Heureusement qu'il fait pas nuit et que l'autre il arrive pas avec sa torche et sa tête de rat. En plus, j'étais concentré sur ce que j'allais dire en même temps que ce que j'allais faire, que ce que j'étais en train de regarder, tu vois. Oh putain, il est parti en courant tout d'un coup quand je t'ai appelé par Toki. Il s'est dit putain, il appelle les flics. Bref, Jack nous a fait un petit piège. Enfin, il s'est contenté de le poser, c'est moi qui l'ai construit, hein. Parce que j'avais pas envie qu'il le voie. Ah, excellent. Alors, la plateforme est faite et c'est celle-là, on a une corde. La maison est toujours inadaptée. Mais c'est pas grave, on la trouve jolie, on va la garder. Et on s'en fera une autre. On a décidé de se faire une cabane nous-mêmes. Grandeur nature, avec les murs, les toits, les machins, les bazars. Bon, essayons de grimper à ce truc là, il paraît qu'ils ont changé le son. Alors vous voyez que je ne me suis pas lavé depuis qu'on a commencé l'épisode, et ça se voit. L'animation est bonne, donc on a une plateforme de repérage. Avouez que c'est quand même plutôt cosy. Ouais, salut. Par contre, l'animation de l'autre est toujours aussi pourrie. Hein. Ouais. Laisse-moi descendre. Ils ont dit qu'ils avaient réglé le bug aussi où on passe à travers le sol quand on arrive en bas. Ils ont pas menti. Par contre, toi, t'as vraiment l'air d'un plouc quand je te vois descendre. T'as ramené de la Boostify, là, au lieu de faire le con à me faire peur dans les bois. Bah attends, tu m'as appelé quand j'étais en pleine chasse, là. Ouais. Mais ça faisait une heure que tu chassais. Joli. Voilà. Faut vraiment que tu m'offres à bouffer parce que je vais mourir sinon. Et sans moi, t'es rien. Ok. Comment on s'offre, ça? Ah oui. Faut déposer ça dans le... Dans le fruit. Parce que là, je te mens pas, je suis vraiment à zéro, là. Et j'ai rien d'autre. On va voir si ça marche. Oh. J'ai mal barré, je le vois pas. C'est pas vrai. Ah, tu les vois quelle pas. Connerie, ce jeu. Toi, tu le vois? Ouais. Ça va, t'énerve pas, commence pas à tout casser. Ouais, il est un peu nerveux. Hein. Faut pas le contrarier. Je commence à le connaître, ça fait 2-3 jours. Non, ça fait quoi? C'est le troisième jour là qu'on est en survie ensemble? Ouais. Tu sais qu'on a même pas sauvegardé une fois? Oh oh. On s'en fout, on aime bien l'aventure. Bon, je vais crever, moi, faut que j'aille chercher un truc là, sans déconner. Tu sais quoi, j'en ai rien à foutre ce jeu bug, je vais en profiter. Non, non, on va la faire réaliste. Je vais pas aller chercher les valises qui sont près de l'avion qui est là en face. Parce qu'elles se sont toutes refermées comme par magie, donc je pourrais aller chercher des biscuits. Je vais pas la faire comme ça, je vais la jouer réaliste. J'ai faim, faut que je me trouve un truc à bouffer. Tu sais que le moindre mouvement que je fais maintenant m'épuise. Un peu comme dans la vraie vie en fait. Putain, ça va être d'anthologie ce passage, je le sens. On s'en souviendra longtemps. Je viens de trouver une tête. Ouais, c'est possible. J'ai fait rouler quelques têtes tout à l'heure quand j'étais nerveux. Lapin, lapin, entre, viens me serrer la main. Oh, j'ai même plus la force de tuer un lapin, je crois. Faut que tu m'aides, Jack, je vais crever, sérieusement. Putain de merde. Putain, je vais quand même pas me retrouver. T'arrives pas à les tuer ? Mais déjà, j'en trouve pas, mais vu la vitesse à laquelle je tape, je risque pas. Oh, l'indigène est là. Reviens.
J'arrive. Connard. Putain, s'il m'attaque, je sais rien faire. Oh putain, il m'attaque! T'es pas sérieux là? Je crois que ça va être la fin pour moi, les amis. Il est en train de me mater là. T'as vu? Laisse mon pote tranquille, saloperie. Dégage. Putain, il est casse-couille celui-là. Il monte à l'arbre, vas-y, comment tu me regardes là? Vas-y, on coupe l'arbre. Vas-y. On va te faire descendre, nous. Ah, je peux pas, hein, j'ai plus d'énergie. Radio contact. Vivacité. Je me casse, mais il sent la faiblesse. Il va m'attaquer, moi. Hein. Oh la vache, les mecs, le soleil. Si ça vous éblouit dans la vidéo, c'est normal. Moi, ça m'éblouit aussi. Hein. T'as plus de force non plus? Non. Au niveau boostify, oh, des champis. Ah oui, c'est vrai, il y avait une zone avec des champignons là-bas. Viens, on va manger des champignons. Laisse un peu le solitaire là, tout seul. On verra bien s'il nous suit, on lui fait la peau dès qu'on sera en forme. Il va bien. Oh, y a un bambi qui arrive vers toi. Ouais, mais on sait pas les tuer comme ça, tu sais. Non? Je pense pas. Ou un lapin. Oh putain, c'est un squirrel ou quoi? Il a grimpé à l'arbre. Ah oh, ouais, c'est un lapin. Un lapin écureuil quoi. Un lapin œil? Ouais. Un écupin? Oh, qu'est-ce que c'est pénible, il va falloir que j'aille chercher des groseilles. Alors. Oh! Du yucca! Aloe vera. Cool, on va pouvoir faire un shampoing. Can be used in crafting medicine. Oh putain, c'est quoi ça? Oh putain, il m'a suivi! Oh. Ah, il m'énerve lui, je te jure, je suis dans mon inventaire, j'entends. Oh putain, il va m'attaquer, je sais même pas taper à une vitesse correcte quoi. Il a disparu ce con. T'es où? Il a grimpé dans un arbre. Ouais, bah écoute là moi. Ouais, mais il me faut à bouffer moi. Je cherche les champignons là, tu vois. Des groseilles. Des groseilles, ouais, bah je vais les trouver où? T'es marrant toi. In the forest, hein. Il est là. Putain, merdeur. Me lâcher la grappe, ouais. Oh, il y avait des champignons tout à l'heure ici, ils sont où? Oh putain, même marcher ça devient pénible. Cette aventure, les amis, s'annonce vraiment hardcore. Il va faire tout noir. Ouais, je suis dans la merde, mais jusqu'au cou quoi. On n'a pas un putain d'étang aux alentours pour aller pêcher du poiscar. Je suis suivi par un. Touché. Jack, je suis dans la merde. Putain, il m'attaque, c'est fini. Dégage! Je l'ai tapé, il est parti, mais il va revenir. Je suis à moitié mort là. Oh, il m'attaque. Attends. Ça devient flippant, Jack. Ça devient méga flippant là. Il est là. Tu le vois? Tu vois son cul qui brille là. Il a un cul qui brille. Ouais, il est parti. Ouais, il est parti, mais il revient à chaque fois. Attends, je prends des médecines. Et si je lui propose 10 dollars, tu crois que c'est bon? Non. Je par vois... contre, ce que j'ai trouvé. C'est quoi? Ah ouais! Attends, j'ai une idée. Il est là-bas. Ah non, c'est une biche. Ouais. Attends, je balance des flares, j'en ai rien à foutre. Je sens qu'il va me tomber sur le coin de la gueule. Oh la vache, je crois qu'ils sont deux maintenant. Ils sont buggés au fond de la map là, mais ils vont arriver. Oh, je vais mourir. Tiens, je te lance un caillou, Jack. C'est peut-être le dernier. Ok. Ça fait un plaisir. Non, mais non, mais là, bah, là c'est bon. Là. J'ai rien à bouffer sur moi. Je trouve pas la moindre putain de groseille. Tu sais quoi? Il faut que je sauvegarde, là, par contre. Parce que... Ouais. Enfin, en même temps, sauvegarder dans cet état-là, c'est pas me rendre service. Les champignons, il y en a là. Oh, il s'était ici. Encore, c'est pas assez là. Tu crois que je vais me contenter de deux Ah. Ouais, quelques champignons dans la zone ici, tu les vois ou pas? Ouais. Attends, je vais allumer le feu. Ça devrait me permettre de tenir, c'est bon là, je me suis rempli avec quelques champis.
Je reviens au camp parce que j'ai vraiment pas envie de me faire sauter dessus par un vieux pervers à poil. Il est temps qu'on place des pièges pour leur dire de quel bout on se chauffe. Normalement, c'est pour leur montrer quel bout on se chauffe, mais c'est pas grave. Ouais. Ok. Attends, je vais allumer un truc là. Poser quelques pierres. Putain, ça brûle. T'as allumé quoi? Oh, c'est déconné, je le vois pas. Attends, je vais. J'arrive. Je coupe le micro 3 secondes. Voilà. Il valait mieux pas que vous entendiez ça. Non, j'ai pas pété. Ça va, je suis quand même pas un fou. J'ai la goutte au nez. On est. On est. Bon, on a la plateforme, la cabane qui sert à rien. On a deux bancs pour se poser le cul. T'as posé une jambe sur un banc, toi? Ouais. Putain, t'es un pervers, mec. Après tout, tu fais ce que tu veux, hein, mais. C'est limite bizarre, ton truc. Après quelques mois de solitude, je comprends, mais là, après 3 jours, tu pourrais t'en retenir quand même. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je vais regarder l'inventaire. On va se Pareil. placer un truc pour. Ouais, un small garden. Je parle pas du groupe de rock qui chantait Black Hole Sun, hein? Ouais. Parce que le small garden, ça va nous permettre de planter les seeds que j'ai déjà. Et il ne faut que 2 logs. On a 2 logs en réserve ou bien. On n'a plus rien en log, en bois. L'orgue, en l'orgue. L'orgue of Orgue, the Rings, orgue, c'est ouais. ça? Ouais, c'est ça. Lego, l'orgue of Gerings. Bien, on coupe celui-ci à côté de la plateforme. Il gêne, de toute façon. Attends, mais j'ai plus de force, moi. Ah, t'as pas bouffé les champignons? Ah, c'est vénéneux, hein, les trucs. Mais non, j'en ai bouffé 50, regarde comment je suis en pleine forme là. Je te coupe ça à une main, tout en tenant mon briquet avec l'autre. Un peu, pour peu, j'éternue et j'éteins la lumière. Quelle imagination. On va pas faire un troisième épisode chiant, hein. Ouais, il a bien démarré quand même, hein. À fond. Tiens, mange ça. Attention, ça tombe. Merde, la Attends. plateforme. Je vais vite cuire un lapin. Vas-y, cuis ton lapin. Moi, je travaille un peu pendant ce temps. Je fais gaffe de pas marcher dans le feu. Cette fois, ça va me changer. Ouais. Regarde, là, je vais pouvoir planter des seeds. Tu veux, j'en ai, hein. Apparemment, j'ai planté, mais une ou j'en sais rien. C'est mal foutu, on voit rien. On verra sûrement quand ça pousse. Donc, BBTV sans langue de bois, les gamins. Les gars, pardon, et les gattes. Oh, c'est Pierre. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui nous plaît, on le dit. Quand il y a un truc qui nous plaît pas, on le dit aussi. Hein. Commencez pas à nous dire, ouais, t'as critiqué le jeu, ouais, c'est nul, t'as comprends pas le jeu, t'as pas joué. De toute façon, on dit ce qu'on veut. C'est spontané, on rigole, c'est bon quoi. On joue pas à des jeux qu'on aime pas non plus, hein, sinon on ferait pas plusieurs épisodes. Putain, j'ai vraiment des bras, mais dégueulasses. Ouais, moi aussi, j'ai l'impression d'avoir traîné à l'abattoir. Ah bah écoute, moi c'est pareil. Franchement, là, on n'a pas de bol d'avoir un étang qui est trop loin. Parce que normalement, tu vas faire un petit swim dans l'étang et t'es tout propre, hein. On a un grand étang derrière nous, mais c'est un peu haut là. Ouais, non, ça c'est pas un étang, je t'explique, c'est la mer. Hein, Ceci dit, on peut ok. fabriquer des radeaux. C'est bien. Mmh, Parce qu'ils avaient étendu la map à un moment donné, il y a quand même une zone un peu de. Oh. Une zone un ouais. peu de lac, comme ça. À l'époque, très moche, peut-être que c'est devenu très beau. Bon, où est-ce qu'on peut dormir? Tu sais, moi j'ai fait une petite sauvegarde, excusez-moi les gens, hein. Mais. Parce que là, on n'a pas sauvegardé depuis 2 épisodes, faut pas déconner quand même. Tutut! Voilà, je suis de retour! Welcome back! On dirait qu'ils viennent pas trop nous faire chier chez nous, c'est déjà bien. Bon. Mon lapin, il a cramé ou il est plus là? C'est con qu'on s'est pas viré. Bah, regarde bien, tourne bien, parfois ça bug. C'est con qu'on peut pas virer les souches une bonne fois pour toutes là parce que. Non, il a disparu. On se fait notre cabane ici, il y a un grand plan ici. Ouais, vas-y. Je peux dessiner le plan comme ça en plus les gens vont voir un peu ce qu'on va faire. Donc genre je vais déjà mettre la porte ici devant. Something like this. Dégage toi! J'en ai une! Putain, à poil, j'espère que vous l'avez Quoi? pas vu trop longtemps. J'ai eu une biche, mon vieux! J'ai 3 morceaux de viande! Ouh, c'est bon ça.
Je me suis fringué avec, ça donne quoi? Eh, regarde mon bras! Quelle honte! Tu vois peut-être pas, toi. Non. Ouais, bah j'ai une espèce de truc en peau de fourrure. On dirait le Yeti, quoi. Bon, je vais me cuire un steak alors, hein, c'est bon ça. Vas-y, j'ai besoin de lumière, il y a assez de lumière dans le camp. Ah, il fait froid le truc là. Iron Lang! Eh, il y a un truc. Ce beau homme. Ah, oh, c'est ta jambe. C'est comme la ramasser, c'est moche. Voilà. Merde. J'espère que ça va pas bugger là. Hein. J'espère pas non plus. Parce que je vois pas encore pour l'instant le truc hit. Ah, excellent. Ça nourrit cette merde. Pas les masses. Ah, si, 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 c'est bon ça. C'est bon ça. Donc je te conseille de te farcir une biche. Elle marche vers toi, tu lui fous un bon coup de mandale dans la face. Et t'as 4 morceaux de viande. Qu'est-ce que je fais moi? Excellent. Let's put something here. Like this. On voit pas une petite baraque de chemette nous. Merde. Fenêtre. Ah non, ça va pas être beau comme ça. Ouh, je vais envoyer une de ces. Tu l'as eu? Merde. Non. Bon là, faut que je place ça pour correctement. Comme ça, c'est trop large. Hein. On va faire une cabane, mais on va quand même pas faire une villa non plus. Calme-toi, mec. Là, tu veux bien le mettre. T'es con ou tu le fais exprès? Ah. Vous pouvez le voir, c'est pas toujours efficace. Hein. Leur système. Ah. Oh là là. Putain. On va placer pour voir. Hein. J'ai perdu la biche. Comment ça, t'as perdu la biche? Je l'ai eu. Putain, c'est quoi ce système de merde là? Wouah, 4 morceaux de viande, excellent. Ça va pas ça, dégage. C'était quoi ce bruit? C'est moi. Je regarde un peu ce que, quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous avec leur truc de cabane, mais ça a l'air bizarre. Des fois il veut bien mettre le truc comme il faut, des fois il veut pas. Un peu casse-couille. Mais bon, on n'est pas... complètement nul non plus, il y a quand même moyen d'aligner ça correctement. Oh putain, merde. L'oiseau va cramer. Et alors? Oh le con. Pas évident hein, leur baraque là. Non, il faut être archipec. Hein. Appelle GG. Il faut jouer à Construction Simulator pour ça. Et les toits, ils les ont mis où? Parce que c'est bien beau ça, mais s'il n'y a pas de toit, pas l'intérêt. Il n'y a pas de toit. En fait, c'est pas des maisons, hein, c'est des barricades. Des barricades avec des fenêtres et des portes. Ouais. Non, non, tu peux fabriquer ta propre maison normalement. Custom building. Et c'est pas plateforme, un truc comme ça, non? Non. Il n'y a pas de plateforme? Dans l'histoire. Si tu veux, tu peux faire des plateformes super hautes. Je sais pas à quoi ça sert. Bon, je suis pas trop convaincu là. C'est un peu. Des miradors, c'est ça? Pff. Oh, puis merde. Tu sais quoi? Y a pas une grande maison là? On galère un peu là, hein, franchement. Ça ressemble à quoi la log cabine? Pff, à la limite, ça conviendra bien quoi. Vas-y, pose là, je vais delete. On va partir là-dessus parce que leur truc ici. On va pas en aller, hein. Allume un peu, là, je vois rien. Oh, le soleil. Coucou, le soleil. Inventaire, non. On va se faire une log cabine. Tourne. Voilà. Bon, on a survécu, c'est le principal. Ouais, putain, c'est trop réaliste quoi. Quand t'allumes ton briquet dans le jeu, j'ai vraiment l'impression que t'allumes un briquet. Ah, c'est cool, j'ai planté de la. Truc de médicinal machin là. Bref, le truc qui sert à rien. Enfin, si, ça sert sûrement à quelque chose, mais je veux dire qu'il me donne pas bouffer. Hé!
J'ai vu le cadavre de ton rabbit que t'avais perdu et il vient de disparaître devant mes yeux. David Copperfield. Ok, qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Encore des morceaux de biche, c'est bien ça. J'en ai trois. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Ah, ça se bouffe ça. Ouais, mais j'ai envie de le combiner. Ouais, c'est comme ça. Une combine. Oh! Excellent, mec! Quoi? Tu prends des feuilles d'aloe vera et des feuilles, des fleurs là. Et ça te fait une potion médicinale. Quoi? T'as des peaux de lapin? Oui, j'en ai une. Pourquoi? T'as fait un putsch? Non, c'est quoi un putsch? C'est avec quoi? C'est une espèce de sacoche. Mais avec quoi? Le lapin et quoi? Avec juste du lapin. Deux peaux de lapin. Ah, j'en ai qu'une. Là, il me dit que ma super fourrure... Salut, toi. Tu veux des graines? Il me dit que ma fourrure est sale. Faut que j'aille me laver. Ah. On irait pas vite à cet étang, là, pour se laver, là? Ouais. Alors que je commence déjà notre nouvelle cabane. Vous voyez, on chôme pas. Hein. Je pense pas que sur The Forest, on va faire non plus 20 épisodes. Hein. Quoique, y a quand même du craft. Hein. Et les flèches, là, sérieux, les mecs. Vous êtes chauds, vous avez envie de nous dire comment on fait des flèches? Parce que nous, on se refuse d'aller voir sur les Wikipédia. On veut essayer de trouver par nous-mêmes. T'es mignon avec ta pouch, là. Viens, on va nager. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça peut servir. Non, tu sais quoi? On ira nager en off. Ok. Mais on risque d'attraper une infection. T'as vu combien de logs ça demande, le truc, là? 91. 91. Ouais. On va commencer un petit peu quand même. Ouais. Let's go something. Très bien de couper les arbres aux alentours, comme ça les indigènes peuvent pas grimper dedans. Ouais, ouais. Pour nous surprendre. C'est ce qu'on avait commencé à faire. T'as vu déjà de près de chez nous comment on a déforestationné? Ouais. Le duo d'enfer de la. La forêt. Ah, putain, quand même. Ça, c'est un arbre, hein. Ouais, t'as pas pris le plus petit là. Pour tes petits bras. Nom de Jours. Nickel. Cool. Quelle grosse marade. Toutes ces constructions, c'est pour qu'on puisse être tranquille. Ouais. Oh, c'est quand même... Bon, la luminosité est assez réaliste, à part que le soleil vient de la mer. Mais... Pour les yeux... Ça pique. Ah, oh, quand tu regardes du côté de là où il fait clair, il fait pas sombre. Pour rester poli. C'est quoi ce truc qui roule? Non, c'est les morceaux de bois. Troy Alice. Il y a un stut là. Quoi? Ça fait déjà la deuxième fois que je pose. Enfin, que j'allume le piège et qu'il n'y a rien dedans. Ah, fallait le brancher. Enfin, j'étais en train de me dire, il est con, il dit allumer le piège et moi je dis brancher, c'est pas mieux quoi. L'actionner. Ouais. Dis donc, on n'en profiterait pas pour une petite pause publicité là. Enfin non, pas publicité, enfin ouais. Si, en quelque sorte. Et merde. Mais casse-toi, toi. Coca-Cola, Pepsi, Sprite. Non, non, non. Mais là, t'abuses, hein, on va se faire engueuler. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire comme pub? Bah, pas vraiment une pub, mais juste quand même dire qu'on a dépassé les 800 abonnés, donc en profiter pour dire merci, évidemment. Ouais. Merci à tous. Et en profiter pour dire que... Enfin, pour rappeler, pour ceux qui ne l'ont pas vu dans d'autres vidéos, entendu plutôt, que à 1000, on lance le deuxième concours BTV. Quand même, le premier concours avait vu un gagnant remporter le jeu Grid Autosport, ce qui est pas rien, en clé Steam, officiel. Et... Le deuxième et le troisième, un petit jeu bonus, c'était Warzone quelque chose, là. Un jeu de stratégie. Oui, Anomaly. Anomaly, ouais, quelque chose, Warzone quelque chose. Warzazat.
Et donc, en profiter pour dire que quand on atteindra les 1000 abonnés, on lancera le concours numéro 2. Et que on peut déjà vous dire que ce sera quand même du lourd. Il y aura un petit jeu sympa à gagner. Donc c'est bientôt, ça approche à grands pas. Campignon! Mais par là. Ouais, quand je peux manger gratos, je vais pas me priver. Hein. Vas-y. Et on continue. Et je fais aussi une petite précision par rapport à Lolo qui était en début de vidéo là, qui s'est présenté, qui donc rejoint, si on peut dire, BBTV. Parce que bon, on le connaît quand même depuis longtemps, on a joué longtemps avec lui à l'époque. Ce sera quand même de manière, apparemment, d'après ce qu'il nous a dit, très occasionnelle, à son rythme, à son aise. Je précise ça, quoi. C'est aussi parce qu'on n'a pas tous les jours le temps de poster des vidéos. Bon, si on voulait, on pourrait, hein. Ouais, mais... Oh, c'est désagréable ce truc là, sérieux. C'est trop clair là. Ouais, tu Le peux pas soleil, désactiver ça? je veux bien, mais faut arrêter les mecs, hein. C'est beau, mais là c'est trop. J'ai l'impression qu'il y a 4 milliards de néons au-dessus de ma gueule, quoi. Alors on va... Oh, à mon avis, on va faire un épisode un peu plus court, mais il n'y a pas eu beaucoup d'action là, hein, c'est déconné. En même temps, on est On dans The construit la Forest. cabane. Ouais. C'est une aventure suivie, quoi. Donc, qui dit aventure suivie, dit une aventure qui est suivie, quoi. Tout à Non, fait. on espère qu'elle sera suivie, parce que si vous la suivez pas, c'est plus une aventure suivie. Donc, ça se transforme pas, par exemple, en une aventure zappée. Mais là, j'ai un peu l'impression que je dis des conneries pour meubler, tu vois. Il se passe rien. On construit. Donc, je pense qu'on va zapper troisième épisode ici. Alors que. Hé, il y a un lapin dans ton truc! Ouais? Moi je le vois mais Vas-y, je peux rien prends-le. y faire. Tiens viens, on va voir Vas-y. ça pour terminer l'épisode 3 là et on entamera l'épisode 4 une fois la cabane terminée. Ouais, je regarde juste autour de mon arbre. Prends les deux branches. Enfin, Ah, santé White. les deux branches. Les logs, je les appelle des branches, les Donc bûches. vous voyez, il me dit que je dois appuyer sur E, j'appuie sur E, il se passe rien. C'est le piège de. Tu le vois toi le lapin dedans? La réponse sera non. Là, il est en train de faire. Non, un petit peu. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ah ouais, il faut le buter en fait. Ouais. Pas mal. Bon ben comme ça on Mix. aura vu. Là-dessus, on vous dit rendez-vous à l'épisode 4 en vous remerciant. Bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir. Bisous, bisous. Bisous, bisous, ciao, ciao.